Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur la photogrammétrie et je vais vous parler de la captation avec un drone en pilotage manuel. La captation est la première étape du processus de photogrammétrie qui consiste à prendre un ensemble de photos du sujet. Cette étape est décisive car elle conditionne la qualité du résultat final. Aucun logiciel de photogrammétrie ne fera de magie avec une captation de mauvaise qualité. Dans cette vidéo, par captation manuelle, j'entends que le télépilote ne va pas passer par un planificateur de mission qui automatise l'itinéraire de vol et la prise de photos, mais va lui-même contrôler le drone et le déclenchement des photos. Deux raisons nous conduisent à passer par une captation manuelle. La première est que le drone n'est géré par aucun mission planner, Pixcat des captures, Drone Deploy, Drone Harmony, DJI GS Pro, parce qu'il n'y a pas de SDK, Software Kit Développement, rendu disponible par le fabricant. La deuxième raison est que le sujet ou son environnement sont très complexes et ne permettent pas sereinement le lancement d'un vol automatique. C'est souvent le cas avec un édifice entouré de grands arbres ou de bâtiments. À ce sujet, je fais une parenthèse sur Drone Harmony, le mission planner qui gère également la modélisation des obstacles et permet la génération de trajectoires intégrant les zones de vol à éviter, en offrant en plus la possibilité de simuler le vol au préalable pour jouer l'itinéraire virtuellement. Fin de la parenthèse. J'ajoute une troisième raison qui peut motiver à capter en manuel. À partir d'un certain niveau de pilotage et de maîtrise de l'application, on a parfois plus vite fait de faire ses photos à la main que de programmer une mission, mais ce n'est valable que sur des projets simples. Passons tout de suite à un exemple pratique avec le DJI Mini 2 et la modélisation de cette petite statue. On se positionne pour bien cadrer la statue, le réglage des photos est fait en manuel à ISO 100, en s'aidant de l'assistant pour faire apparaître les zones surexposées. La première photo est prise, puis l'appareil est déplacé d'environ 1 mètre vers la droite. On donne un petit ordre sur le lacet à gauche pour recadrer et on adapte le temps d'ouverture à chaque photo en fonction de l'éclairage de chaque face. A noter qu'il faudra régulièrement avancer un peu vers le sujet pour éviter de générer une trajectoire en spirale divergente. Une fois qu'on a fait un premier tour complet, on monte d'environ 2 mètres, on rapproche le drone du sujet et on incline un peu plus la caméra. Il faut imaginer que la trajectoire s'inscrit approximativement dans une demi-sphère centrée sur le sujet. Je dis bien approximativement car il ne faut pas chercher la perfection. A partir d'une telle captation, l'ensemble du sujet est bien couvert et la reconstruction 3D doit donner de bons résultats. Pour cette église, la captation des façades est réalisée en manuel sur deux niveaux, en veillant à conserver une distance à peu près constante au sujet et à bien chevaucher les photos entre elles. Cette parcelle de terrain est captée avec un maillage de photos prise à la verticale, en s'aidant du quadrillage que l'on affiche sur l'application, et avec des repères au sol, on arrive à assurer un bon niveau constant de chevauchement latéral et longitudinal entre les photos. Voici d'autres exemples de captation moins académique dans un environnement très contraignant, comme cette grande statue érigée sur une tour en pierre avec une base coincée au milieu de grands arbres. Dans le cas de ce moulin, on n'a pas trop de choix et le drone évolue là où c'est possible. Dans ces situations, il faudra accepter que le logiciel de reconstruction rejette un nombre non négligeable de photos. Je liste maintenant quelques conditions de réussite.
Ne pas être avare en photo, plus il y en a, mieux c'est. Par exemple, à titre d'ordre de grandeur, comptez au minimum 100 photos sur un petit monument, 200 pour une maison simple, 300 pour une église de village. Avoir en tête que toutes les parties du sujet doivent être visibles sur plusieurs photos pour être modélisables. 2 photos au minimum, idéalement 3 et plus. Proscrire les cheminements erratiques et faire en sorte que toutes les photos se suivent entre elles en appliquant une trajectoire continue. Déplacer le drone dans l'espace entre chaque photo, la seule rotation sur l'axe de lacet ne sert à rien. Prendre les photos en JPEG et format 4 tiers pour utiliser l'ensemble du capteur. Bien régler son exposition, afficher l'histogramme et utiliser l'assistant qui assure les zones surexposées. Si possible, privilégier un temps couvert car les nuages diffusent la lumière de façon équilibrée, ce qui élimine les problèmes d'exposition. Faire la captation d'une traite et assez rapidement, les photos prises à des heures différentes seront très difficiles à associer. Commencez sur des projets simples avec un sujet petit situé dans un espace dégagé et pas fréquenté. Privilégiez des formes faciles et des objets globalement convexes, autrement dit, pas de concavité, pas de dépassé de toiture. Enfin, il est possible de mixer une captation automatique et manuelle en veillant à enchaîner l'une et l'autre. En conclusion, il ne faut pas hésiter à pratiquer beaucoup, faire des erreurs et recommencer. Avec un peu de patience et d'entraînement, la réalisation de captations en manuel est une technique accessible. Et le fait qu'un drone ne soit pas géré par un mission planner n'empêche pas de l'utiliser en photogrammétrie. La captation manuelle ne sera en revanche pas adaptée à des cas d'usage professionnels où les critères de productivité et de répétabilité sont importants. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Salut et à bientôt sur la chaîne de Paladrone.